À Adjamé, au quartier Les Chicanes, l'inquiétude grandit. On a tous les jours en mémoire le triste épisode de l'écroulement de certains immeubles à Abidjan, avec en prime des dégâts matériels et humains considérables. Cette situation guette dangereusement la cité et les populations en sont conscientes. Nous avons constaté qu'il y a des bâtiments qui déchaussent. Depuis un certain moment, nous avons mené des actions à la SICOJ. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de problème, que les bâtiments sont bien construits. Ce quartier, c'est que derrière là, ils ont mis des gazons pour stopper l'eau. Et les résidents ont enlevé les gazons, les propriétaires, je ne sais pas, pour enlever les gazons. Sinon, quand c'était aux mains de la SICOJ, la SICOJ tondait les gazons chaque fois. Mais quand on nous a livré les maisons en 1985, chacun pour soi. Les bâtiments du quartier, construits en 1973, ont non seulement perdu de leur éclat, mais s'effritent comme peau de chagrin au jour le jour. Si la SICOJ ou l'État peut faire quelque chose, sinon vraiment de ces quatre matins, vous allez compter des morts ici. Au nombre de cette dizaine d'immeubles, deux édifices sont dans un état jugé critique. Voyez-vous-même, vous avez vu, c'est profond. Mais je ne suis pas architecte pour savoir si c'est dans combien d'années ça va s'écrouler. Il faut qu'on casse, c'est mieux. C'est mieux de casser ces bâtiments et loger les gens ailleurs. Que faire? Les habitants du quartier Les Chicanes à Yamé s'interrogent. En attendant des solutions, les riverains dorment avec un œil. Car leur quartier, qui existe depuis 41 ans, subit déjà le poids de l'âge.